Bonjour tout le monde, bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite présentation d'un produit que j'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo sur les couteaux suisses. Je voulais revenir dessus parce que déjà, d'une part, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français qui parlent de ce produit, et aussi pour vous montrer que c'est vraiment un produit très intéressant, très pratique, qui prend pas beaucoup de place et qui a tout à fait sa place dans un EDC urbain. Donc l'article que je vous présente, donc vous avez déjà d'une part l'étui. Je pense que comme vous pouvez le voir, bon, l'étui n'est pas fourni avec, c'est un étui qui s'achète à part. L'ensemble vous en avez à peu près pour environ 25 euros, on va dire, étui plus l'outil. C'est comme vous voyez, c'est un petit porte-carte qui est très pratique, qui vous permet de mettre ici le principal, à savoir votre carte bleue ou votre carte. Vous pouvez mettre jusqu'à 2-3 cartes maximum, et au-dessus vous pouvez mettre ici l'outil que je vous parlais, à savoir la Swisscard. Donc la Swisscard, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une carte multifonction qui a été inventée par Victorinox. Avec à l'intérieur, comme vous pouvez le voir en transparence, plusieurs outils. Elle existe en plusieurs modèles. Vous avez jusqu'à présent, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Bon, il y a eu d'autres modèles dans le passé, à savoir que la mienne étant assez ancienne. Par exemple, l'ouverture du ciseau, par exemple, l'accès au ciseau ne se fait plus comme ceci, mais vous avez simplement une fermeture. Une petite encoche, c'est que vous glissez à l'intérieur le ciseau. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes à ce niveau-là, à savoir que cette partie-là reste quand même un peu fragile. Donc, elle se présente comme ceci, au format carte bleue. Donc, vous pouvez très bien, comme je vous dis, ou acheter ça à part en accessoire, ou alors tout simplement la glisser dans votre portefeuille, puisqu'elle prend la taille, elle n'est pas plus grosse qu'une carte bleue. À peine plus épaisse, on va dire, elle doit faire environ 1,5 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas grand chose. À l'intérieur, donc vous avez en premier lieu ce qu'on trouve, un petit ouvre-lettre, donc qui peut faire office de coupe-papier, enfin c'est un coupe-papier hein, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, si j'arrive, ça coupe très très bien. Vous avez aussi une petite paire de ciseaux. Alors son utilisation est très simple, hein. Vous enfilez votre doigt ici, vous le tenez comme ceci, et là vous pouvez découper avec précision sans problème. Comme vous pouvez le remarquer, les ciseaux coupent très bien. Donc vous allez me dire pourquoi, ben toujours besoin de se couper un ongle, de couper un petit truc. Et très pratique. Aussi, vous avez une petite lime, donc pour les dames, pour les hommes, hein. Avec au bout un petit tournevis plat. Donc le modèle light qui est équipé en plus d'une lumière qui s'actionne sur le côté, je crois, si je dis pas de bêtises, et aussi qui a un autre outil avec quatre petits tournevis. Donc il vaut un petit peu plus cher, celle-ci vaut à peu près une quinzaine d'euros, l'autre vaut un peu plus de 20 euros quoi. Elle a un petit peu plus d'accessoires, mais le format reste le même. Donc sur celle-ci, donc vous trouvez ça, un cure-dent, vous trouvez une petite pincette, aussi très pratique, un petit stylo. Fonctionne ma foi très bien, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà. Donc ça fonctionne un peu dans le principe des Fisher Space Pen, c'est de l'encre sous pression en fait, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, hein. ça fait vraiment le travail. Et ici là vous avez une petite épingle. Donc pour par exemple vous enlever une petite écharge d'un doigt, déboucher quelque chose, voilà, donc plusieurs petites utilités. Donc un accessoire vraiment pratique avec une dizaine de fonctions en tout, au format carte de crédit.
Donc voilà, vraiment quelque chose à avoir, je trouve, dans un EDC. Déjà parce qu'il prend pas de place, qu'il est très léger et il peut vous rendre pas mal de services. Donc je vous conseille de regarder, franchement ça vaut le coup et en plus c'est pas très cher, comme je dis, le modèle SILA comptait une quinzaine d'euros à peu près, donc ça reste vraiment raisonnable. Voilà, donc j'espère que ce petit rétex vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, passez de bonnes vacances et à la prochaine, au revoir.